Julien Bert perd sa maman, son ex d'autrement lui adresse un message d'adieu bouleversant. C'est une fin d'année plus que difficile pour Julien Bert. En septembre 2022, le grand vainqueur de l'émission Les 50 diffusée sur W9 devait faire face à un énorme coup dur, la perte de sa grand-mère Juliette. Une mamie qu'il chérissait plus que tout. Au point qu'il en a sorti une marque de shampoing avec son ex Ilona Gosse, Juliette Nona. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que je ne verrai plus ce sourire. Je t'aimerai toute ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, écrivait-il en story Instagram, pour légender une photo de lui et cette dernière posant main dans la main et tout sourire. Une terrible épreuve pour le jeune homme, qui pouvait alors compter sur ses fidèles amis de la télé-réalité. Ses fans, mais aussi sur son ex-petite amie Aurélie d'Autremont. En effet, après une longue relation faite de hauts et de bas, le couple avait fini par se séparer. Et s'il semble s'être éloigné depuis cette rupture, la jolie blonde avait tout de même tenu à rendre hommage à Mamie Juju. Mamie Juju. J'espère que tu seras heureuse au ciel, avait-elle écrit quelques jours après la nouvelle. Contre toute attente, la jeune femme de 32 ans n'est jamais bien loin lorsqu'il s'agit de soutenir Julien Bert. En ce début de mois de décembre, celui qui tourne autour de Mélanie de Digama depuis la fin des 50 est de nouveau au cœur d'une tragédie. Cette fois-ci, il pleure la perte de sa maman. Sidonie. Très discret sur les réseaux sociaux depuis le décès de celle-ci, il a seulement écrit dans une story. Comme le relève le compte Instagram Le Cross TV, tu me manques déjà terriblement. Point. La vie va être différente sans toi, je sais pas comment je vais y arriver. Je t'aime et j'espère que tu es fier de moi. Un message déchirant, accompagné d'un émoji représentant une colombe, symbole d'amour et de paix. La colombe peut permettre de dire au revoir à l'être aimé d'une manière très poétique, note de la rédaction, et d'un cœur rouge. Face à cette situation douloureuse, Aurélie d'Autremont n'a donc pas manqué de réagir. Je n'ai pas pu être présente aujourd'hui pour te dire au revoir mais je sais qu'un jour on se reverra ma Sido. Point. Merci pour tout cet amour que tu m'as apporté quand tu m'as accueilli chez toi jusqu'à repeindre les murs en rose. Point. Je n'oublierai jamais la femme et la deuxième maman que tu as été pour moi à l'époque ainsi que toutes les petites pensées pour moi par la suite. Point. A-t-elle écrit. Et d'ajouter, je t'aime, je t'aimerai, tu étais et resteras ma préférée comme on se l'est toujours dit. Guillaumet. Très touchée par cette disparition soudaine, la jeune Belge qui a le cœur qui souffre fort a tenu à envoyer toutes ses sincères condoléances à son ami Julien ainsi qu'à sa sœur, à son papa et à toutes les personnes qui connaissaient Sidonie. Des adieux aussi déchirants qu'émouvants qui ne pourront que réconforter Julien Bert.